La pandémie due au coronavirus a fortement impacté la production des hydrocarbures algériens. Cette année, la production de pétrole et de gaz de l'Algérie a chuté de 8% par rapport à 2019. Actuellement, les prix du pétrole tournent autour de 50 dollars le baril. Le ministre de l'Énergie, Abdel Majid Attar, a annoncé le 19 décembre qu'en 2020, l'Algérie a produit moins de pétrole et de gaz que les 143 millions de tonnes équivalent de pétrole signalées l'année dernière. Les recettes de la vente des hydrocarbures et des produits pétrochimiques vont afficher au 31 décembre 22 milliards de dollars contre 33 milliards de dollars obtenus à la même période en 2019. La baisse de la production du pétrole en Algérie ne date d'hier. C'est une vieille histoire que malheureusement la pandémie du Covid n'a fait qu'accélérer. Depuis de nombreuses années, on a noté que l'Algérie produisait moins de pétrole et cela a été dû à des retards répétés dans des projets, des difficultés pour attirer des partenaires d'investissement, mais aussi de l'insuffisance des infrastructures et des problèmes techniques. Avec cette baisse de production, les exportations tomberont à 82 millions de tonnes. Pour Toufik Akar, le patron de la société publique du pétrole, cette situation pourrait encore se décliner au cours de la prochaine décennie. Néanmoins, le ministère de l'Énergie précise que le volume des exportations s'établira à la fin de l'année à 82 millions de tonnes. Il faut quand même savoir que l'économie algérienne dépend en très 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 grande partie des hydrocarbures. Toutes les recettes viennent justement de la vente des hydrocarbures. Aujourd'hui, avec la baisse des prix du pétrole, cela a grévé très sérieusement les finances publiques. La balance commerciale et les réserves de change ont subi des chocs très très importants. Or, la pandémie du Covid a encore plus accéléré la baisse du prix du pétrole vu que l'activité économique mondiale s'est ralentie de manière substantielle. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie est malade de son pétrole, et le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré le 22 mars qu'il fallait que l'Algérie sorte de cette dépendance du pétrole. Notons que l'arrivée progressive des gisements à maturité et le manque d'investissement ont également participé à la baisse de la production alors que la consommation nationale a augmenté.